Eh bien, c'est reparti, les amis. On continue notre aventure avec Hellblade: Senua's Sacrifice. Donc, on était à la deuxième partie après ce premier épisode, franchement, qui était vraiment intense et puis qui mettait en place l'histoire. On se pose beaucoup de questions par rapport à toutes les voix et tout ça, mais on va en découvrir un petit peu plus dans cet épisode. Donc, on va continuer l'histoire tranquillement. Et puis, comme d'habitude, on parlera juste pour les moments les plus importants et on se concentrera vraiment sur l'histoire parce que c'est un jeu où il faut se concentrer et écouter tout ce qu'on a à nous dire. Je me rappelle que la mort est vraiment punitive dans ce jeu. Plus on meurt, on peut perdre complètement notre partie et notre sauvegarde. Donc il faut vraiment se concentrer. On va retourner à la zone de départ. Et on va voir ce que la suite de l'histoire nous réserve. Alors, c'est reparti. Je cherche mes touches. Voilà. On prend pas les bonnes touches, on pourra pas parer. Wow. On est coincé dans le décor. On arrive sur la deuxième porte avec un nouveau chemin qui s'offre à nous. Valravn, ancestor of the seers and master of ravens. He hunts his prey with his powers of illusion and feasts on their remains. Follow the path to Valravn and defeat him in battle to earn his mark. The gate to Helheim cannot be opened without it. Ah.
Changement de décor. Ymir was a frost giant, a being of darkness, and all his sons and grandsons were dark after him. Of his daughters and granddaughters, some were monstrous, but others fair. But there was another who came from the ice, Buri. In shape, he was like a man, big and powerful. His son, Bor, took a fair giant to be his wife, and they had illusion hides the path to Valravn. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth. What's that? It's a door. Quand on regarde ici, ça ouvre la porte. Ok, comme ça. We all want to see behind the veil, don't we? Once we do, we mostly just close our eyes again and pretend what we saw was never really there. Là, on est coincé dans le décor. C'est chaud quand même. En tout cas, mais le fait de mourir définitivement après, ça met un petit coup de pression quand même.
She will find what she's looking for. Valravn's power of illusion comes from ravens. Allowing the ravens to break his magic seal. Show me what you have seen, Truth. Okay. Look how much it's changed. Alors qu'on cède par rapport au espèce de portail là devant nous. Voilà, on voit déjà la solution. Pour le moment, ça va. Là-bas. Ok, ça fait un chemin ici. Essayer de se repérer hein, de toute façon. C'est la porte de tout à l'heure. Pas l'ouvrir. Before the tragedy, she journeyed into the wilds of her native land, living off berries,
roots and rabbits. It's not uncommon, you see. We call such a person a gout. Some, like Truth, become gout in search of penance. Others, like Senua, to purge a curse. Those who make it back are forever changed. C'est qu'est-ce que ça a changé. Et c'est comme ça. On va voir si en faisant le tour ça change quelque chose ou pas. On va sauter. Arrive à aller en haut. Est venu de là. On ne correspondra pas. Par là. Ferme le mur. Qu'est-ce que ça fait d'autre? Ça fait un chemin? Je change rien. Bon, j'essaye de découvrir, hein. Désolé. Peut-être prendre un petit peu de temps, mais bon, au moins comme ça. Il y en a qui sont bloqués. Là, ça rouvre ici. Bon, il y a un truc à faire ici que j'ai pas réussi à voir. Il va falloir qu'on trouve. Ça fait un mur. Comme ça. C'est que je vois pas ce que ça change. On voit bien l'issue finale. Elle est là-bas. Comment y accède-t-on? Simplement par là.
n'avait pas vu tout à l'heure. On va déjà débloquer les portes. She can get up now. She can get up now. What's happening? She can get up now. She can get up. It must be magic. Dark magic. A trick. Valraven. Tricking her. Valraven. How can she get up? Bait. It's him. Dark magic draws her closer. It's magic. It's not him. He's helping her. It's not him. It's a trick. She's doing it on her own. He's not tricking her. It's magic. It's an illusion. Ok, ça a rajouté des escaliers. Je n'allais pas tout à l'heure. Petit, petit, on va trouver. Donc là, on monte les escaliers. Normalement, on peut aligner. Voilà. Bon, on aura mis un petit peu de temps, mais au final, c'est fait. Si je me trompe de touche, hein. Yourself.
Là, normalement, on est rentré de là. The Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir, and that the world of men was formed from his corpse. They made his bones into stone, and his flesh into earth, and his blood into the salt sea. They set his skull to be the bowl of the sky, with his brains for clouds. Odin and his brothers caught the sparks flying from Muspel and made them into stars. And to protect the new world from the giants, they used Ymir's great curving eyebrows as walls. Do you know what it's like to leave everything behind? Your home, loved ones, to head deep into the wilds, perhaps never to return. Senua does. Because when darkness speaks, it changes everything. Turning home into a foreign land and loved ones into strangers. Exile makes sense when you realize that you were never really home in the first place. Nouvelle porte fermée. Il va falloir qu'on trouve. Reminds her of somewhere. The forest. Where? Which forest? Most in the wilds. The wilds. She left the ring. She went to the wilds a long time ago. Why did she go to the wilds? She wanted to fight her own darkness. She thought she could beat her own darkness. Did she beat her darkness? No. It nearly killed her, but she tried. Druth. Druth helped her. If it wasn't for Druth, she'd be dead. She can't beat her own darkness. She wanted to marry Dillian. She came to beat her own darkness and marry her hero. But she didn't work. She thought her curse would affect him. She thought her curse would spread to him. She thought she'd bring the darkness to him too. She nearly died. She thought the curse had been tainted. Druth helped her. Ok, il n'y a pas de pont, il y a un pont. Que ça va nous permettre d'avancer. Ok, il y a un pont là-bas aussi. Open it. On va déjà ouvrir ça. On est revenu par là. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ce portail ? Bien faire un chemin.
passe comme ça, et vu qu'on a ouvert le pont, passer. Petit à petit, on va y arriver. On arrive où il y a la porte. Soit venu ici. On voit qu'il y a un petit trou aussi derrière pour passer, on va voir. Say you must sacrifice in order to receive. They tell how the runes were revealed to Odin only in sacrifice. He hung himself from the world tree, and he stabbed himself with a spear, and he dedicated the sacrifice to himself. For 9 nights he hung. Je pense du fait qu'on a ouvert la porte, on va pouvoir repasser par le portail. Va nous emmener de l'autre côté. Il va avoir un chemin. Ils sont vicieux. Très vicieux. On a fait disparaître la moitié des corbeaux. Out in the wild, in the cold winter woods, she no longer felt fit for this world. She almost gave in to the darkness. Parce qu'il faut aller de l'autre côté. She remembered her promise. She resolved to fight on. And kill that which had become a part of her. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ici? Une échelle là. Et on peut monter. She saw into the darkness, the more she struggled to see anything at all. And the glow, the smallest hints of shape, sound, of
thought and strength until they consumed her whole. Before she knew it, there is no such thing as the darkness had her in its claws. The darkness. It's like it doesn't want to kill her. Yeah. Or gnaw at her, biding its time. Only when she is at her weakest will it strike to kill. Will she find Dillian before her time comes? Overcome Valravan's final illusion to face him is keeping. I know you can do it, Senua. You have the sight. We both see the darkness. We can fight it together. Alors, dernière énigme, je pense, avant de pouvoir accéder à... au boss. Faire ici, on arrive à accéder là-haut. Et donc là-bas, c'est comme ça. Rajoute une branche. Speak to me, Drew. Tell me a story. Senua, listen. I will tell you the tale of a man called Findan. The Northmen captured Findan's sister, and his father sent him to pay for her release. But they took his gold, put him in chains, and held him for a day and a night without food or water. Then they released him. I don't know why. Upon his return, his father's enemies in Erin set fire to his home. His father burnt to death, and his brother was killed. But he escaped with sorrow in his heart. His father's enemies offered redress for his loss and invited him to a feast. It was at a hall near the sea. When he went there, they betrayed him to the Northmen, who enslaved him and took him to hell. 6 years later, his slave masters landed on the shores of Orkney, burning all before them. And into that fire, Findan made his escape. What was Findan burnt away that day? But from the flames, a new man stepped forward. And Druth was born. Druth, the man that I am now. And though Findan never set eyes on his dear sister again, I, Druth, have found you, Senua. I wish you could have seen my home before these dark times. Là. Oh,
train de me demander ce qu'il y a à faire avec ce portail. Parce que là, on a ouvert pour avoir le passage vers le pont. On a rouvert le pont. Le pont nous a fait quoi? On n'a pas le choix. Ok. Les énigmes ça va, mais il y en a, elles sont un peu plus compliquées, faut faire des allers-retours, mais on y arrivera quand même. Je pense que ça va monter crescendo. Hein. On est que sur la deuxième heure de jeu, donc c'est pas encore. Là c'était pour faire apparaître la branche et la faire disparaître. Oh, la fait disparaître. On redescend. Je fais tout le tout. Peut-être pour prendre le pont. Accéder de l'autre côté et puis avoir le symbole sans que la branche me gêne. Peut-être. C'est qu'on peut plus passer si on n'a pas la branche. Ça se trouve j'ai mal setup. Là on voit le pont. Est-ce qu'elle peut monter par là? Pas trop aventurière. Bon. C'est y a rien. Je pense que c'est ça. En gros j'ai fait la boulette. Il faut que je passe pour qu'il y ait un chemin de libre là-bas. Pour pouvoir y retourner après. On va essayer comme ça. On va remettre la branche. Ça, on cherchera, c'est pas grave. Donc là, notre branche, elle est revenue. Là, faut qu'on arrive à nous libérer le chemin là-bas du fond. On accède à l'autre portail. On va regarder ce que ça change. On peut enlever l'arbre qui gêne pour pouvoir monter. Ou... Il faut regarder si au fond ça change là-bas, s'il n'y a plus l'arbre ou pas. J'étais passé à côté tout à l'heure. Et le voilà. The gate is open. Open. I know it from the wilds. It's coming back for me. Are you still here? Are you too?
I remember. It didn't end well in the wilds. It never does. You think you can overcome the darkness, make sense of it, and once relief settles in, it strikes out of nowhere, throwing you helplessly back into the maelstrom. Drowning the mind in fear, deeper, deeper, dragging you down so far into the void that maybe this time there is no coming back. But there, in the darkness, Senua. She remembered what he told her. Hear me. Reach out to me. Senua, take my iron mirror. Look into it. For it is a window into the underworld. Within, you will see the face of the darkness that you fear. And if you focus, like I have taught you to, you will also see that as much as the darkness has you trapped within its veil, it too is trapped within yours. Focus! 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 I see you! I see you now! You led me to the wilds! You trapped me there! The prize! Whoa, whoa, whoa. Toujours plus. He's down. Finish it. Finish it. Énervé lui hein.
The mark of Valravn. One of the keys to the gate to Helheim. Hold it in your mind's eye. With every battle, the darkness grows stronger. Every victory, bringing her closer to defeat. Unfair, isn't it? In those dark winter nights in the wilds, there were times when she considered letting go. If it weren't for Druth, a chance encounter in the wilds, she would not have heard his stories of the Northmen. And she would not have this chance to find Dillian's soul. I'm coming. Bon bah voilà, c'était bien cool, franchement le fight était vraiment classe, c'était vraiment bien, j'ai trouvé que les mécaniques de cet épisode, bah, avec les portails et tout pour pouvoir se repérer, changer de dimension et tout, c'était vraiment agréable, donc bah, j'ai envie de vous dire, on va se retrouver pour le troisième épisode assez rapidement, donc moi je vais continuer tranquillement et puis je vais vous présenter ça dans le prochain épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Avec aussi un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner pour ne pas louper la suite. Il n'y a pas que ça, il y a plein de jeux sur la chaîne qui pourraient peut-être vous intéresser. Donc allez faire un tour aussi dessus, peut-être que vous trouverez votre bonheur. En tout cas, moi je vous dis merci d'avoir regardé, à très très vite. Et puis on se retrouve bientôt pour la suite du jeu. Allez, ciao ciao, c'était Nico, à très vite.